Le président n'a pu comprendre barbecue comme un ancien policier et un policier qui travaille, les gens lui font là et ont victime tout, nous pas ignorer ça. Et je dis à barbecue que tu as compris, même gens avec nous-mêmes, des gens qui mènent une bataille syndicale, ça, qui sont des victimes du gouvernement, qui sont des victimes de l'État du commandement. Et n'a seulement dit barbecue, il faut le rappeler, mission en tant qu'ancien policier, et il faut pas oublier toute population haïtienne. Il y a une loi constitution par eux-mêmes. Pour revendiquer. Donc, c'est pour ça qu'il y a accès pour revendiquer. Je dis à c'est pour ça dans notre plan et contre le président, nous exhortons les policiers. Côté nous disons, soit vous faites job avec professionnalisme. Parce qu'elle cache plusieurs fois, les populations a manifesté pacifiquement, ou bien a fait sitting, ou bien marche pacifiquement. Et puis, ils ont toujours joué des lots illégales. Et moi-même, comme porte-parole, nous vivons ça. Toute politique là, nous témoignons, nous vivons ça. Ils ont essayé de lots manifestement illégales qu'il y a des policiers. Yo. Donc, c'est-à-dire, face population. Et bien, Abdi Barbecue, lui-même, comme un ancien policier, je dis à l'an, a revendiqué le droit. Et Barbecue a toujours eu place li, en dans la police. Lan, pour qui ça? C'est parce que nous témoignons, nous connaissons. Donc, c'est abus qui ont été faits. Ils sont victimes du même système ça, que l'Ivli aide, l'Ivli accompagne. N'a pas dit population hein, et policiers. Yo, donc, ils ont pour devoir pour accompagner la population hein, dans toute dimension depuis que c'est revendiqué. Il y a revendiqué là. Et moi-même, porte-parole syndicat, Gonè Gabelson, doit léser. Donc, l'important, samedi, je suis à terre. Et je suis à terre, monsieur certain, barbecue avec tout monsieur, yo, yo loue mon protection. Parce que donc ma continuer bataille syndicale là, faut que la police respecter et faut que la population et manifester. Parce que je dis la vie chez elle pour nous tous. Jusqu'à maintenant, toujours été porte-parole syndicale. Parce que c'est une révocation arbitraire que monsieur fait qui passe là sous aucune loi. Il passe là sous aucune loi. Donc monsieur Connel, c'est une révocation politique que monsieur fait pendant 11 ans, il va venir un yé pour y être reproché. M'a atteint en tant que syndicaliste, m'a atteint en tant que policier, m'a atteint en tant que citoyen que doit me léser, en tant que citoyen que la vie chère à lui concerne, en tant que citoyen que l'insécurité à lui affecte. Nous qu'à suivre hier et moi, ces derniers temps, il y a 4 policiers qui sont tombés. Dans 4 policiers, il y a 2 21e qui sont promotion Yannick, promotion l'autre délégué et dans le syndicat. Et bien, il faut comprendre, ce n'est pas sans raison, dans les derniers temps, ces policiers, monsieur, affaibli, il n'y a pas affaibli. Donc, à chaque monde qui est victime, après, il y a 2-3 policiers qui sont tombés. C'est une façon pour faire les policiers peur et faire travail. Et bien, il y a des policiers, syndicat là. Donc, seulement, faire job, nous faire travail avec professionnalisme. Toutefois que l'institution a fait nous habit, c'est venu dans le bureau au syndicat pour te plaindre et poursuivre avec avocat. Est-ce que ça veut dire que c'est un mouvement de protestation qu'il a fait et le 17? Puisque c'est pas derrière, est-ce que c'est SPNH qui a fait? Non, ce n'est pas SPNH, SPNH parle, c'est mouvement. Moi, je dis que depuis ce mouvement pour nous respecter, depuis ce mouvement pacifique qu'a fait pour condition de vie, avant tout nous sommes monde. Nous sommes des policiers à statut civil, oui, nous sommes à terre et nous exhortons et nous demandons tout policier depuis que ou off c'est mettre pion à terre. Même Jean-Jodi, nous jouons des avocats militants qui ont aidé nous dans la bataille là. Nous même tout nous avons pour devoir pour nous accompagner et nous profiter remercier maître André Michel pour support qui va j'en suspendre une fois nommé nom Gonè Gabelson comme porte-parole syndicat que monsieur fait habit. Nous pas prêt que déclaration ça y est qui a fait que ce soit barbecue ou bien pour Fanto 609 etc. Tout le monde dans la population est motivé pour sortir habituellement 17 octobre. Nous pas prêt que dans le jour là une guerre civile qui est éclatée. Et on nous a dit un policier qui n'a pas de formation politique, il est un criminel en puissance. L'efficacité du travail de la police réside dans la prévention, pas dans l'intervention. C'est peut-être ça que fait conférence, ça a été important pour nous pour parler. L'homme parle de politique, n'a pas suivi l'évolution de la population. Nous attendons que le 17, la population va dans l'ébullition pour gagner peut-être des dérapages. Et le plus souvent, dérapage ça, nous avons courage pour nous avouer que c'est la police nationale qui causait. Nous-mêmes, dans SPN à 17, nous prenons responsabilité pour nous dire que nous l'avons, mais nous sommes Pilate. Parce que nous-mêmes, nous pas cautionné le monde a matraqué les journalistes, matraqué la population, sans que la population ne commette aucune infraction. Alors, nous exhortons les frères policiers, nous, qui doivent avoir le même objectif avec nous, pour être pacifiques avec la population qui a manifesté pacifiquement. Pour ne pas faire exaction
sous population. Alors, population, constitution bal doit pour le dire ça fait le mal, s'il sorti, il n'y a pas fait casse, il n'y a pas craser machine, il n'y a pas bouler, il n'y a pas craser briser, nous n'avons nul droit pour nous bailler au gaz, pour nous chirer bandouille. Voilà pour ça. C'est dans l'optique que nous faisons, nous sortir avec confiance, je veux dire. La première dernière question, vous le finissez. Vous dites que les habits de nouveau matériel, comme policier, comme syndicaliste, est-ce que ça veut dire matériel, la police, tout dans la même? Non, nous connaissons déjà depuis non, et après 16 juin, donc nous devons mettre tout début de l'MDE en mesure conservatoire, nous devons mettre sur la mesure conservatoire, nous devons mettre tout le matériel. Moi, je dis encore, map à terre, en tant que yon policier engagé, en tant que yon policier que le système nan fait abus, il fait injustice. Et jusqu'à maintenant, Nomine Rameau, témoin, il connaît, et je dis à ma papa, dans les coulisses, que déjà Nomine Rameau, la palé, il dit non, il ne peut pas signer lettre, il ne peut pas signer lettre réintégration. Malgré OPC, donc, et voyez deux correspondances par inspection générale, côté que exhorté ou que révocation dans l'arbitraire et injuste. Donc, Nomine Rameau, il décide de dire qu'il n'y a pas de réintégration. Donc, moi, je suis à terre parce qu'il faut que je travaille. Je suis 11 ans, je suis un pays, je suis une nation. Donc, monsieur, retire après 11 ans, depuis 25 ans, je suis mandat en institution. Donc, je dis qu'il faut que je l'autre emploi. Et bien, si monsieur, si Nomine Rameau décide de ne pas signer les réintégrations, qu'il y a arrangé pour que je l'autre emploi pour que je n'ai pas besoin de petit. Et c'est dans le logique que moi, je suis à terre. Donc, pour me dire, l'État haïtien, moi, je ne suis pas à fouer comme dans la gang parce que je suis encouragé gang, dans la compagnie gang. N'est pas comme pas dans gang, c'est pour ça parent investir pour une école. Donc m'a à terre pour demander à ba pour me dire à ba la vie chère, à ba insécurité planifié contre frère policier mieux et pour me dire Nomine Rameau, l'État haïtien, ministre justice là pour yo bon emploi pour nous on a besoin petit moyen. Mais vous te dit que ou pas réintégrer institution avec Nomine Rameau dans tête. Comment ça va faire? Et bien Nomine Rameau a démissionné parce que Nomine Rameau pas digne pour l'entête institution. Nomine Rameau pas digne. Nous capable elle non, population elle. Je dis comment qu'a comprendre pour Nomine Rameau livrer policier yo. La livre policier yo, gade sacrifié Jean-Pascal Alexandre là. Yo arrête yo kidnappé Jean-Pascal Alexandre. Donc, il vient une libération pour le descendre de son général, pour la des matériel travail li, yo pa balil. N'a pas vraiment on poste me dit ça pour yo bal IG c'est une balle et papier pour la des chèque li, ordre pour la des chèque li. Les livre DG chèque yo là yo pa balil. Nous gien comment Rodzel Saint-Hilaire. IGC fait que mes chèques. Il faut comprendre, mais je gagne intérêt dans les abrévoqués révoqués policiers arbitrairement. Donc, inspecteur général de lundi, coordonnateur général, côté qui depuis les batailles syndicales. Donc, c'est avec syndicats qui consacrent tant. Et Nomine Rameau, j'en te dis dans la conférence, Nomine Rameau te dit oui, la fait et transfert pour tout membre comité central syndical. Eh bien, à nos jours, pas j'en fais. Au lieu de faire transfert, c'est transfert. Et pour les policiers qui viennent dans le comité central syndical, eh bien, c'est bien le département qui transfère et puis révoquer arbitrairement. Nous disons que nous avons fait témoin pour lui être incapable en tant que directeur général. Et que l'autre policier qui est mieux placé parce qui a DGPNH là. Merci. Merci. Yannick démissionné, il n'y a pas de démissionné pour Grilly, c'est forcé ou forcé de démissionner. Leur mettez la liste de départ contre lui, leur mettez mandat d'AL, c'est cause ça vous fait démissionner. Mais quand même, Yannick a toujours été un membre under SPNH, il a toujours été un membre d'honneur, un membre très fort under SPNH. Alors c'est pression qui gagne d'ailleurs qui fait. Oui, il a gagné un peu de pression. Deuxième question. Alors, mobilisation lancée. Nous avons déjà Babetou qui est un ancien policier et qui est fait contre les gens qui ont voulu sortir de mobilisation. Nous avons une note que Fantôme 509 sorti de tout par rapport avec ça, Babetou Dio. Donc nous-mêmes dans SPNH, qui réaction nous avons par rapport avec ça? Et je viens de comprendre Babetou comme un ancien policier et un policier qui a travaillé, Jean Louis. Et donc victime tout, nous pas ignorer ça. Et je dis à vous pas que tu as compris, même déjà avec nous-mêmes, nous avons mené une bataille syndicale ça, qui c'est des victimes de gouvernement, qui c'est des victimes de l'état du commandement. Et naturellement, dit Babécu, il faut le rappeler, mission en tant qu'ancien policier, et il faut pas oublier toute population haïtienne, il y a une loi constitution par eux-mêmes pour revendiquer. Donc c'est pour ça qu'il y a accès pour revendiquer. Je dis à c'est pour ça dans notre plan et conférence de presse. Nous exhortons les policiers. Côté nous disons, il faut que vous fassiez job avec professionnalisme. Parce qu'elle cache plusieurs fois, les populations ont manifesté pacifiquement, ou bien a fait sitting, ou bien marche pacifiquement.
et puis ils ont toujours joué une des lots illégales. Et moi-même, comme porte-parole, nous vivons ça, toute politique là, nous témoignons, nous vivons ça. Ils ont essayé de lots manifestement illégales, qu'il y a des policiers, yo. Donc c'est-à-dire, face population. Mais Nabdi Barbecue, lui-même, comme un ancien policier, je dis à la NAP, revendiqué Douane et Barbecue, a toujours eu place li, en dans la police là. Pour qui ça? C'est parce que nous témoignons, nous connaissons. Donc et c'est abus qui ont été faits, ils sont victimes du même système ça que Livli aidé, Livli accompagné. N'a dit population hein, et policiers yo, donc yo gen pour devoir pour yo accompagner population dans hein, toute dimension depuis que c'est revendiqué, il y a revendiqué d'où. Et moi-même porte-parole syndicat Gonne Gabelson doit léser, donc l'important samedi m'a atéa et m'a atéa monsieur certain barbecue à tout monsieur yo, yo doit me protection. Parce que donc ma continuer bataille syndicale là, faut que la police respecte et faut que la population hein, et manifeste. Parce que je dis la vie chère, c'est pour nous tous. En troisième question. Est-ce que vous avez un personnellement? Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été porte-parole syndicale. Parce que c'est une révocation arbitraire que monsieur fait, qui passe là sous aucune loi. Il passe là sous aucune loi. Donc monsieur Connel, c'est une révocation politique que monsieur fait pendant 11 ans, il va pas venir en rien pour te reprocher. M'a atéa en tant que syndicaliste, m'a atéa en tant que policier, m'a atéa en tant que citoyen que doit me léser, en tant que citoyen que la vie chère à les concerner, en tant que citoyen que l'insécurité à les affecter. Nous qu'à suivre hier et moi qui cette dernière temps, il y a 4 policiers qui sont tombés. Dans 4 policiers, il y a 2 21e qui sont promotion, promotion Yannick, promotion l'autre délégué et dans le syndicat. Et bien, il faut comprendre, ce n'est pas sans raison, dans le dernier temps, ces policiers, monsieur, affaibli, il n'y a pas affaibli. Donc, à chaque monde qui est victime après, il y a 2-3 policiers qui tombent. C'est une façon pour faire policiers peur et faire travail. Et bien, on dit policiers, syndicat là. Donc, seulement, faire job, nous faire travail avec professionnalisme. Toutefois que l'institution a fait nous habit, c'est venir dans le bureau syndicat, porter plainte et nous poursuivre avec l'avocat. Est-ce que ça veut dire que c'est un mouvement de protestation qui a fait et le 17? SPNH parlant, c'est mouvement. Moi dire que depuis ces mouvements pour doit moun respecter, depuis ces mouvements pacifiques qu'a fait pour condition vie moun, avant tout nous c'est moun. Nous c'est des policiers à statut civil. Oui, n'a atéa et nous exhorter et nous demander tout policier depuis que ou off, c'est mettre pio atéa, même Jean-Jodi, nous jeune des avocats militants. Cap aider nous dans bataille là, nous même tout nous gain pour devoir pour nous accompagner et nous profiter remercier maître André Michel pour support qui pas jamais suspend une fois nommé nom Gonne Gabelson comme porte-parole syndicat que monsieur fait habi. Que ce soit barbecue, bien pour Fanto 609, etc. Tout le monde dans la population est motivé pour sortir habituellement 17 octobre. Nous ne craignons pas que dans le jour où il y a une guerre civile qui est éclatée. Et il nous a dit qu'un policier qui n'a pas de formation politique, il est un criminel en puissance. L'efficacité du travail de la police réside dans la prévention, pas dans l'intervention. C'est peut-être ça que fait la conférence, elle était importante pour nous combattre. L'on parle de politique, on a suivi l'évolution de la population. Nous attendons que le 17, la population va en ébullition pour gagner peut-être des dérapages. Et le plus souvent, dérapage ça, nous avons courage pour avouer que c'est la police nationale qui cause. Nous-mêmes, dans la SPNA 17, nous prenons la responsabilité pour nous dire nous laver, mais nous sommes pilates. Parce que nous-mêmes, nous ne pas cautionner le monde à matraquer les journalistes, matraquer la population, sans que la population ne commette aucune infraction. Alors, nous exhortons les frères policiers nous, qui doivent avoir le même objectif avec nous pour rester pacifiques avec la population qui a manifesté pacifiquement. Pour ne pas faire exaction sous la population. Alors, la population, la constitution, a le droit pour dire ça fait le mal. S'il sort, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de craser machine, il n'y a pas de boule, il n'y a pas de craser brisé. Nous n'avons nul droit pour nous bailler au gaz, pour nous chirer le bandouille. Voilà pour ça. C'est dans l'optique que nous faisons, nous sortir avec conférence, je veux dire. La dernière question, vous finissez. On dit que ça veut dire nouveau matériel, comme policier, comme syndicaliste. Est-ce que ça veut dire matériel, la police, tout le monde? Non, nous connaissons déjà depuis et après 16 juin, donc nous devons mettre tout depuis le mettre en mesure conservatoire, de mettre sous et mesure conservatoire, nous devons mettre tout le matériel. Moi, je dis encore, ma ATA, en tant que yon policier engagé, en tant que yon policier que le système fait abus, il fait injustice.
Et jusqu'à maintenant, Normine Rameau, témoin de connaître. Et je dis à ma papa, dans les coulisses, que déjà Normine Rameau, la parole lui dit non, il n'a pas signé lettre, il n'a pas signé lettre réintégration. Malgré OPC, donc, il y a deux correspondances par l'inspection générale, côté que vous exhortez, ok, et révocation dans l'arbitraire et injuste. Donc, Normine Rameau, il décide de dire qu'il n'a pas signé réintégration. Donc, moi, je suis à terre parce que faut que je travaille. Je suis 11 ans, je suis un pays, je suis une nation. Donc, monsieur, retire après 11 ans, depuis 25 ans, je suis un mandat en institution. Donc, je dis, il faut que je trouve un emploi. Et bien, si monsieur, si Normine Rameau décide de ne pas signer les réintégrations, qu'il arrange pour le bon un autre emploi pour me prendre besoin petit moi et c'est dans le logique que moi même à terre donc pour me dire l'état haïtien moi m'pas ka fouer comme dans gang parce que puisque on encourager gang dans accompagner gang nèg tant pour m'pas ka dans gang c'est pour ça parenté investir pour une école donc m'a à terre pour me demander à bas pour me dire à bas la vie chère à bas insécurité planifier contre frère policier mieux et pour me dire Normine Rameau l'état haïtien ministre justice là pour bon emploi pour me besoin petit moi mais vous te dit que au pas réintégrer institution avec comme la bonne tête. Comment ça a passé? Eh bien, Normine Rameau a démissionné parce que Normine Rameau pas digne pour l'entête institution. Normine Rameau pas digne. Nous capables, non, population ouel. Je veux dire, comment qu'à comprendre pour Normine Rameau livrer policier yo? La livrer policier yo. Gardez sacrifié Jean-Pascal Alexandre là. Yo arrête, yo kidnappé Jean-Pascal Alexandre. Donc, livrer une libération pour l'aider son institution générale, pour l'aider matériel travail, yo pas balil. N'a pas vrai, on fait poste, me dit ça. Pour yo bal, IG, c'est une balle. Et papier pour l'aider, chèque, audio pour l'aider, chèque, les livres DG, chèque, yo la, yo pas balil. Nous gagnons